L'économie sociale et solidaire, c'est une économie à part entière. Il est indispensable, et cette crise nous l'a démontré, de se numériser. L'économie sociale et solidaire qui est née à Lyon au XIXe siècle, sur les terres de Clubic, possède son propre secrétariat d'État et c'est avec sa représentante, la ministre Olivia Grégoire, que nous avons discuté de l'importance désormais capital du numérique dans le développement de l'économie sociale et solidaire et des moyens supplémentaires alloués à cette économie. Nous avons par ailleurs abordé la question du reconditionnement et de la fameuse redevance copie privée hein, avec la secrétaire d'État, ainsi que la violence croissante sur les réseaux sociaux dont sont victimes au quotidien les femmes et les hommes politiques. C'est parti pour cette interview. Madame la ministre, donc euh, première question, tout de suite, on est là évidemment pour parler de, de l'économie sociale et solidaire, donc l'ESS, mais on en entend souvent parler, mais on a peu l'occasion de rentrer, on va dire, dans les détails. Donc je vous laisse un petit peu nous, nous expliquer avec vos mots ce que c'est justement euh, l'ESS. L'économie sociale et solidaire, elle a pour caractéristique de pratiquer ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Mmh. Ça veut dire que lorsqu'on fait du profit, des bénéfices, c'est une économie où on réinjecte ses profits, ses bénéfices au sein souvent de l'entreprise, ou alors pour les collaborateurs dans le cadre des dispositifs dits de partage de la valeur, la participation, l'intéressement, l'actionnariat salarié. Bref, l'argent qu'on gagne n'a pas vocation à permettre d'avoir des dividendes faramineux dans l'économie sociale et solidaire. C'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est souvent de réinvestir au service de l'entreprise, du collectif, de la coopérative, mmh. de l'association. L'économie sociale et solidaire, elle est caractérisée aussi par des modes de gouvernance très démocratiques, très transparents. Une des familles que sont les coopératives, une des familles de l'ESS, met en œuvre ce qu'on appelle le principe de un homme ou une femme égale une voix. Ça veut dire que la gouvernance au sein des structures d'économie sociale et solidaire... Elle est démocratique et elle est transparente. L'économie sociale et solidaire, c'est euh, 14%, 14 des, des emplois salariés dans notre pays, c'est 10% du produit intérieur brut et ça réunit cinq familles. Les entreprises d'utilité sociale, les coopératives, vous les connaissez bien, notamment dans le milieu agricole, un agriculteur sur deux dans notre pays est dans une coopérative. À appartient à une coopérative. Vous avez aussi les associations employeurs, vous avez aussi les fondations et enfin les mutuelles. Il y a 1,8 million de salariés qui travaillent au sein d'associations employeurs et l'écosystème ESS, comme on dit, représente plus de 2 millions d'emplois. Et c'est une économie sur laquelle la France a une histoire. Je terminerai sur cette première question là-dessus. Notre pays est un grand pays de l'économie sociale et solidaire. Dès le 18e siècle, nous avons commencé à avoir émergé le principe, je dirais, des mutuelles. Et dès le 19e, en 1835, à Lyon, s'est créée la première épicerie solidaire. Le mouvement a continué au 20e siècle, lorsque, notamment après la Seconde Guerre mondiale, les Jocs jeunesse ouvrière chrétienne, ou les Jacques, jeunesse ouvrière chrétienne, Bref, le courant de Marc Saunier notamment, ont contribué à faire valoir, à faire connaître cette économie sociale qui est une économie humaine et une économie de proximité. L'ESS a été doté donc de moyens supplémentaires, on sait, avec le projet de loi de finances 2021. Donc, on a évoqué le chiffre de 30 millions d'euros. Comment ces 30 millions d'euros sont ou vont être investis dans les prochaines semaines et mois à venir Deux choses. Merci de votre question. Il y a l'urgence, la situation dans laquelle notre économie se trouve. Et comme je vous l'ai dit, l'économie sociale et solidaire, c'est un acteur, c'est un écosystème à part entière de notre économie. Donc, premièrement, il y a tous les dispositifs d'urgence dont font partie ces 30 millions d'euros. Et puis, il y a aussi la relance. L'urgence, c'est deux choses, pour aller vite. C'est premièrement, lorsque j'ai été nommé, m'assurer à l'été dernier que l'ensemble des structures d'économie sociale et, et solidaire soient éligibles, puissent avoir accès. À l'ensemble des aides que les entreprises classiques ont pu avoir. Je pense aux prêts garantis d'État, je pense aux fonds de solidarité, je pense aussi euh, au chômage partiel, je pense aux exonérations de charges sociales et fiscales. Donc, la première chose qu'on a fait dans le dispositif d'urgence et qui a été euh, votée notamment dans, dans les projets de loi de finances l'an passé, c'est de faire en sorte que les structures de SS comme les autres entreprises, bénéficient totalement de toutes ces aides. C'est le cas. On a encore du travail pour qu'elles en bénéficient plus, parce qu'aujourd'hui, elles, elles ne le demandent pas assez. Et c'est aussi mon travail que de faire savoir à ces structures qu'elles sont éligibles. Ensuite, je me suis questionnée et assez vite inquiétée de la situation de nos petites associations. Et donc, je me suis dit qu'il était, notamment avec les alertes du mouvement associatif, il était urgent d'aider les petites associations employeurs, en plus de tout ce à quoi elles avaient droit. Et c'était bien légitime. C'est pourquoi j'ai proposé au Premier ministre, qu'il a accepté, à Bruno Le Maire, de mettre en place ce qu'on appelle un fonds d'urgence ESS qui s'adresse aux structures de l'économie sociale et solidaire, avec un focus particulier pour les petites associations de 1 à 10 salariés, et qui doit permettre à ces petites associations très facilement, en se connectant sur urgence au singulier -ESS.fr, de, en se connectant, de bénéficier assez simplement d'abord d'un diagnostic personnalisé pour savoir si elles ont demandé, bel et bien demandé les aides auxquelles elles avaient droit ou s'il y en a certaines à côté desquelles elles sont passées, oui. et puis euh, aussi leur permettre de bénéficier, si elles n'ont pas été aidées, c'est celles qu'on va aider en priorité, d'une aide directe de 5000 000 euros pour les structures de 1 à 3 salariés et d'une aide directe, je parle ici d'aide directe, hein, pas de prêt allant jusqu'à 8 000 euros pour les structures associatives de 4 à 10 salariés. Ces 30 millions d'euros, on a déjà commencé à les distribuer. 1 600 structures, notamment associatives, ont bénéficié d'une première tranche de 10 millions d'euros mmh. il y a quelques jours. C'est une information toute fraîche. Une partie de ces sommes investies serviront justement à ces associations, à tous ces acteurs qui vont bénéficier, à se numériser, à se lancer dans le numérique. On sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Qui plus est, en plus, avec le télétravail qui doit s'imposer de, de plus en plus. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie à part entière. Donc, comme on l'a dit pour les commerces, comme on l'a dit pour les artisans, comme on l'a dit pour les TPE, pour les petites entreprises, il est indispensable, et cette crise nous l'a démontré, de se numériser. Donc, déjà, on a fait en sorte que l'ensemble des aides qui sont disponibles pour les entreprises classiques soient aussi accessibles aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a la plateforme Click Mon Commerce qui vous permet d'être mise en relation avec des prestataires numériques. Il y a aussi le chèque de 500 euros pour aider les acteurs économiques à, à, se, à se doter de sites web et de et, et à construire souvent un site internet dont ils ne disposent pas quand ils sont tout petits. 100 millions d'euros hein, ont été mobilisés pour cela. Mmh. Et en fait, moi, j'ai souhaité dès novembre dernier, vous savez, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire en novembre, mmh. c'était aussi le mois du second confinement. Donc, j'ai fait en sorte que l'économie sociale et solidaire soit pas confinée euh, à Bercy et qu'elle puisse euh, aussi se numériser. Et donc, euh, avec un, un acteur que vous connaissez forcément, Simplon. Nous avons euh, proposé, j'ai investi un petit peu, et nous avons permis à trois structures d'économie sociale et, et solidaire de bénéficier de sites gratuits. J'ai eu l'occasion d'en voir euh, une d'elles, la conserverie, euh, qui a pu bénéficier de l'aide et de l'accompagnement de Simplon pour monter et mettre en place son site web. Et j'ai essayé de faire savoir que l'ensemble des aides étaient disponibles en soutenant euh, l'écosystème ESS dans sa numérisation. Oui, donc question d'actualité chaude sur le, le projet de loi climat. Là aussi, je, je vous ai vu réagir là-dessus. Euh, on peut notamment parler de tout ce qui est reconditionnement, donc des appareils, des smartphones aussi, euh, notamment. Il y a un détail, moi, qui m'a euh, interpellé, évidemment, c'est euh, la redevance copie privée, bon, qui existe depuis un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, il y a un amendement donc, qui fait qu'on pourrait étendre cette euh, redevance copie privée aux produits reconditionnés. Est-ce que ce n'est pas quelque part un pied de nez à l'écologie non, je ne crois pas. Euh, je crois d'abord, euh, pour revenir à, à votre question, que euh, c'est toute une filière économique qui est en train de se développer dans notre pays mmh. et qui n'est absolument pas antinomique euh, de l'écologie. Moi, je vais vous dire, je crois qu'on y arrivera si l'économie marche avec l'écologie et si l'écologie marche avec l'économie. En fait, ce qu'on qu veut faire, et c'est intéressant votre question, c'est vraiment au cœur de, de ce type de filière comme celle du reconditionnement, c'est l'exemple même de ce qu'on veut faire en matière de croissance verte. Une croissance qui est fondée sur la baisse de l'empreinte carbone, mais aussi qui permet une croissance et la création d'emplois de proximité. L'électronique reconditionnée pourrait créer jusqu'à 20 000 emplois dans les prochaines années. Et imaginez un peu, moi-même, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai découvert ce chiffre. Mmh. Imaginez que pour chaque téléphone reconditionné, c'est l'équivalent de 30 kg ouais, de carbone vrai. évité. À l'heure euh, actuelle, et pour être très précise, on a un débat surtout euh, juridique, donc je vais être un peu technique et je m'en excuse, mmh. mais c'est important d'être précis. Il s'agit en un mot de savoir si un portable reconditionné est mis sur le marché ou remis sur le marché, et ce qui est le premier déterminant de ce qu'on appelle la RCP. La redevance copie privée. C'est la question sur laquelle il va falloir qu'on se décide. C'est la question sur laquelle on va attendre aussi que les députés, que les parlementaires nous éclairent, comme on dit. Il y a beaucoup d'amendements, beaucoup de propositions. Donc c'est un mmh. tout petit peu tôt pour y répondre, mais on suit de très près ce sujet ici au secrétariat d'État à Bercy. Et euh, j'aurai plaisir à, à en reparler avec vous dès qu'on aura une position finale. À cette heure, le débat juridique n'est pas encore tranché, mais ça promet des échanges passionnants dans les prochains jours. Et si vous aviez comme ça un premier avis à chaud, est-ce que vous ne vous dites pas euh, finalement d'imposer la redevance copie privée sur le reconditionné qu'on est censé booster, ça peut entraîner une, justement une augmentation des prix du reconditionné et au final avoir l'effet inverse de l'effet souhaité au départ. C'est un risque. Alors... Je, je suis connue, et j'assume, parce que c'est mon caractère, mon franc-parler et, et ma franchise, et mon authenticité, on ne se change pas, surtout passé 40 ans, ça devient difficile. J'ai été députée pendant trois ans et demi. J'aurais été en face de vous, ce qui aurait tout à fait été possible en tant que députée, j'aurais pris mon risque, comme on dit. J'aurais pu vous donner mon avis et ne m'engager en rien une responsabilité euh, politique gouvernementale. J'ai l'honneur mmh. d'être membre du gouvernement depuis quelques mois. Je déteste euh, ne pas répondre aux questions, mais j'ai aussi euh, une éthique en tant que membre du gouvernement qui est indispensable. Et si vous m'autorisez la pirouette, je suis en <laughs> charge de l'économie sociale et solidaire. Et je Le suis... Joker Non, mais je suis solidaire avec la décision du, du gouvernement. Moi, je suis entière et entièrement derrière les décisions que prendra notamment le Premier ministre Jean Castex. Pardonnez-moi cette pirouette. Euh, une question un peu plus personnelle. On sait que l'environnement aujourd'hui est un peu délétère. En France, il se passe beaucoup de choses. Bon, alors évidemment, on a la crise de, de la COVID-19. On a aussi cette, cette violence dans les rues, dans certains quartiers, qui est souvent relayée. On a aussi cette violence sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais savoir à titre personnel comment vous prenez tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, on sait très bien que déjà en mettant cette interview en ligne, on sait qu'on aura des pouces négatifs, des commentaires euh, néfastes, etc. Parce que c'est devenu comme ça aujourd'hui le, le monde politique. Et comment euh, ça influe aujourd'hui sur votre manière de faire de la politique euh, à titre personnel euh, Déjà, je pense que c'est aussi le fruit de dizaines d'années. Vous savez, la défiance politique, et d'ailleurs euh, les chiffres de l'abstention depuis des élections et des élections le démontrent, la défiance politique, elle n'a pas commencé en 2017. C'est un état de fait depuis bientôt, allez, 20 ans. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de monopole, point deux. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, dans des associations, dans le secteur privé. Ils en prennent autant plein la figure sur les réseaux que moi, même si j'en oui, prends oui, parfois oui. un peu plus en tant que politique. Mais il n'y a pas de monopole. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que cette violence croissante, elle est inhérente à notre société et que quelque part, les politiques la subissent aussi peut-être un peu plus parce qu'on est exposé. Mais mmh. en réalité, cette violence, elle est prégnante, elle est partout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que de plus en plus, je le dis souvent, on réduit le champ du débat à oui ou non. On est dans une binarité. Le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir encore une opinion euh, ferme et définitive, on vit avec. Moi, j'ai été élu en 2017, j'ai été nommé ministre en 2020. On vit avec. Et je vais vous dire, si vous n'avez pas le cuir solide, de toute façon, c'était valable il y a dix ans, ça l'est encore plus, et je pense que ça le sera encore plus dans dix ans. J'ai un conseil pour ceux qui nous entendent. Si vous n'avez pas le cuir solide, il ne faut pas faire de politique. Mmh. La politique, c'est très dur et c'est vrai que c'est de plus en plus violent. J'ai tous les jours des insultes et je ne rentrerai pas dans les détails, mais être femme, d'ailleurs, ne rajoute pas forcément de la facilité pour le mmh. dire comme ça. Je suis aujourd'hui ici et je me bats pour les acteurs de l'ESS. Tout ce qui m'importera, c'est vraiment d'avoir essayé modestement de faire changer deux, trois, cinq, allez, dix choses très concrètes au service de la vie des gens. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.